Celle-là je l'ai pas. Ça c'est la Master System 2 et moi j'ai la première. Celle-là là. C'était à 69€. 170€ pratiquement. Il y avait €30 le Spyro. Tu mets là, tu les fermes. Je l'avais là. La Saturn, je l'ai pas la console encore. Oh mais tiens, pour moi le batteur. C'est pour mettre les œufs dedans. Mais bon, il a cette bêtise comme ça. Tiens, bah, y a le petit prince, c'est ce que j'apprends en ce moment au théâtre. Ah oui. C'est jamais ça du David Bowie. Hein. David Bowie, Michael Jackson. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous présenter tous mes achats de Cash Converter. Alors, pour commencer, le meilleur, je pense. Jack and Dexter sur PS2. Du coup, il faudrait que je trouve le 2 aussi. Donc celui-là, je l'ai eu à 5€. 4,99€ pour être précis. En très bon état. Ensuite, j'ai Brave sur PS2, un jeu d'aventure que je connais pas, complet. Je l'ai eu pour 3,99€ et en très bon état. Ensuite, un jeu d'horreur sur PS2, pareil, complet à 3,99€.
Et j'ai aussi trouvé un jeu Tarzan. Celui-là, il n'est pas complet, par contre. Il manque sa notice. Et je l'ai eu à 3,49€. Non, 2,49€. J'ai eu pour 2,99€ Harry Potter Quidditch. PS2, toujours. Il est complet. Et un jeu de voiture à 2,99€. Complet. Alors, je sais pas si c'est un bon jeu. En tout cas, derrière, ça donne plutôt envie. Genre, on défonce tous les autres, quoi. Toutes les autres bagnoles. Et Eden, il adore tout défoncer. Pour terminer, j'ai acheté un très beau livre pour 5€. Donc ça, c'était pas à Gamecash, c'était à la ressourcerie. Donc les plus beaux contes d'Anderson, voilà. Très bien illustré, avec des belles histoires. J'aime beaucoup les livres comme ça, littérature jeunesse. Donc l'édition, c'est 2012 et le prix d'origine, c'est 19,95€. Bon, pour 5€. Mais bon, après, il est juste un petit peu abîmé là. On va peut-être pas voir sur la vidéo. Il y a une petite trace de crayon là qui s'enlève pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, laisser des pouces, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je sors souvent des vidéos concernant le gaming, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !